Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en pleine tempête, il pleut pas trop, un peu, mais bon, ça devrait le faire. Beaucoup de vent. L'idée, c'est de faire un peu de foncier, une cinquantaine de kilomètres en bord de Seine et en bord de Yerres. Donc ça ressemble un peu à un parcours que j'ai fait l'été dernier, il y a quelques mois. Mais en modifié, peut-être un peu plus court, mais vraiment avec des passages différents, donc on verra bien. En tout cas, l'idée, c'est de pédaler. Pour moi, c'est samedi. Donc, c'est parti. Here we go! Alors, c'est parti pour les petits ponts. J'ai toujours peur que la tête passe pas là-dessus. Ouah, ça grimpe. Nuis. Je peux pas me mettre debout. Là, c'est rigolo. Donc voilà, on passe dans cette petite partie où apparemment ils essaient de compenser les travaux du tram qui ont sûrement défriché une partie. Ils replantent, etc. Ils nettoient. Bon, c'est déjà ça. Oh, tape pas le guidon. C'est pas le moment de passer par au-dessus. Et parce qu'il n'y a pas de fil de sécurité sur celui-là. Celui-là, il n'y a même pas de grillage en dessous. Bizarrement, ça fait peur alors que c'est pareil. C'est pas en bas les marches. Hop, petit drop. Bonjour la famille Wa. Un carnage qu'ils font. Bonjour, merci. Comment ça se couche ici-là? C'est mieux sans la suspate en fait. Je pousse comme un malade sur les pédales, j'avance pas avec ces bosses. C'est tellement paisible. Ça fait trop plaisir. Bon, pour l'instant, je suis à 21 de moyenne. Bon, j'ai le vent dans le dos, à mon avis je vais morfler sur le retour parce que ça souffle vraiment fort. Allez, petite dédicace pour Matt. C'est là. Et pour toi, c'est là. Et vive la team Pouette. Ah. On remet ça. Oh. C'est vraiment un truc de fou. Oh, le bruit. Maison là le long du fleuve, ça doit être vraiment agréable. Regardez la sculpture là-bas, je sais pas si on verra avec les mains. En tout cas, c'est le printemps. Dis donc, je me prendrai pas un coup de corne. Bon, ça c'est du pont pour le train. Ça claque, hein. J'ai déjà dû le voir, je pense, mais. Regardez-moi ça. Moi je fais mon touriste aujourd'hui. Hein. Mais quand même. Je sais pas si on va se rendre compte par rapport à moi, mais. Je suis tout petit, tout petit, tout petit. Bon, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, c'est assez roulant. Mais c'est plaisant. Et puis regardez cette petite maison sympathique. Franchement, qui rêverait pas de vivre là. Surtout celle-là, elle est magnifique. Bon, le soleil est là. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo un peu gravel, mais où on pousse sur les pédales. Parce que l'air de rien, c'est plat, mais moi j'en vois un peu. Faut virer les stats sur Strava, même si avec le vent, je sais pas si ça donnera grand-chose. Tout est en description en tout cas. Et le parcours aussi pour ceux qui veulent le faire. Bon, allez, c'est reparti. Oh, superbe. Incroyable, l'autre côté c'est pas mal non plus. Magnifique. Ah voilà la boue. Mais j'ai aussi, c'est trop calme. Ah, je voulais pas filmer, mais je viens de me faire une montée en travaux là.
casse bien les pattes. Avec le vent dans le nez, là ça va mieux, il y a des arbres, mais fou, ça réchauffe. Et pourtant j'avais pas besoin d'être réchauffé. Hop là, c'est rigolo. C'est quand même mieux qu'on roule sur la route. Ouh. Ah, puis le terrain est nickel en fait là. Ouf, j'ai perdu l'avant. Ah, je vais morfler au retour là avec le vent. Je l'ai déjà tué une partie de tout à l'heure. Bon bah à nouveau là dans la forêt de Sénard, ça y est. Et ben on a fait plus de la moitié. Je sais pas s'il y aura beaucoup de choses à filmer sur la deuxième partie. Parce qu'il y a déjà pas mal de coins que vous connaissez. Sûrement, je verrai. Et puis on essaye de garder le rythme, mais là le vent, je sais pas si on entendra avec la bonnette sur la GoPro, mais ça souffle à mort. Je pédale alors que, comme si ça montait alors que c'est plat. Mais ça fait partie du foncier. Je suis venu pour en faire. Je suis servi. Allez, go. Là, il y a une partie un peu pénible. C'est tout droit depuis tout à l'heure. J'ai le vent dans le nez. Et puis on voit pas le bout. Et puis ça souffle. Et puis c'est tout droit. Et puis ça souffle. J'ai déjà dit, non? Non? Peut-être. Bon, bah j'ai tourné à gauche. Et puis maintenant, bah, c'est encore tout droit. Yes! Complètement déporté sur le côté gauche. Et hop là, nous revenons en bord de Seine après avoir quitté Lierre à l'apostrophe, hein. Et de l'autre côté c'est Deschamps. Voilà, voilà. On continue notre petit bonhomme de chemin. Ouh. Ah ouais, le printemps arrive, regardez les petites fleurs blanches. C'est joli. Ouf. Optimiste sur la largeur du bidon là. Je me demande si c'est pas là. Ouais, c'est chaud là. Ouais, c'est là. J'étais pris dans le trafic. Ma moyenne elle va baisser. La Seine à droite, à gauche. Un champ. Des maisons. Une sorte de magnifique église là-bas. C'est incroyable. Et tout ça. Il y a la vie autour partout quoi. C'est vraiment un petit coin de paradis là. Bon voilà, c'est moi en roulant. Ouh. Ça passe pas. Ah, ça apprend la précision. Avec le guidon. Bien mieux là. Comment on sent plus le vent bord de l'eau comme ça. Oh. Mais il y a racine ici. Incroyable ce coin, avec les lianes partout. C'est Koh Lanta. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Des marches. Ouais, on va faire. Voilà.
avec ce soleil qui m'envoie du vent. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. C'est ici que s'achève cette vidéo, en tout cas pour vous. Moi, il va me rester 7-8 km de bitume. Donc je vais pas vous faire cet affront sur un chat de VTT. Quelle horreur. Non, mais bon, blague à part, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir regardé jusque-là. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis à vous abonner, ça me fera plaisir. Ça pousse à continuer. Allez, à bientôt et salut!